Yo les rushs, j'espère que vous allez bien, on se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Montante sur Aztec Treasure Hunt, nouvelle pragmatique qui vient de sortir les gars. On va découvrir la machine. Alors, je vais pas faire le mytho les gars, vous faire genre salut et tout. Les gars, ça fait à peu près 10 minutes que je suis en train de rec la vidéo. Et malheureusement, étant un idiot fini, j'avais mon micro qui était muté. Voilà, donc vous venez de rater un petit x300. Malgré qu'on a start à 30 000, donc on avait perdu un petit peu. Mais voilà, on a fait un petit x300, les gars. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, les gars. L'erreur est humaine. C'est dommage, c'était un beau bonus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, les gars, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, comme d'hab. Que tout se passe bien pour vous, les gars. On est du coup sur Aztec Treasure Hunt, nouvelle pragmatique qui vient de sortir. Pour ceux qui ne l'ont encore pas vu, je pense que vous êtes pas mal parce qu'elle est vraiment toute nouvelle. Elle a dû sortir il y a quoi, 3-4 jours. Donc voilà, le principe, je l'explique rapidement pour ceux qui la connaissent pas, les gars. On va avoir du coup les pièces que vous voyez, voilà, comme ça. Il nous faut 5 pièces pour déclencher un bonus. Donc là, on passe en bonus, les gars. Attends, Laura, avant de continuer la vidéo, je te rappelle que dans le premier lien dans la description, t'as le bento. Il y a le lien pour rejoindre le Discord. Il y a 50€ à gagner tous les jours sur le Discord. Ça fait 1500€ à gagner tous les mois, les gars. N'hésite pas à le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe quand on est en bonus? Toutes les pièces qu'on va collecter vont rentrer dans le coffre. Et ce coffre, on veut en fait un wild. Voilà, wild x5. Qui va collecter le montant du coffre et va le multiplier. Donc là, 67,50 x5. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut collecter un maximum de pièces pour monter la valeur de ce coffre. Là, ce coffre, par exemple, à 67€, n'est pas forcément insane. Et ensuite, on veut les meilleurs wilds possibles. Les wilds peuvent aller de x2, les gars. Enfin, de x1, pardon, parce qu'ils peuvent ne pas avoir de multi. De x1 à x50. Donc, vous l'avez compris, on veut grossir ce coffre et avoir des wilds avec des beaux multi. Là, un petit x10, par exemple, ça nous ferait 1270€. Ce serait apprécié. Voilà. Vous avez compris le principe les gars, sachant que on peut avoir cette feature, alors pas avec le coffre mais juste avec les pièces en base game bien évidemment. Et donc voilà, pragma assez classique finalement, même si le système dans le bonus est un peu original. Dommage, il n'y a pas de multi. Faut quand même récupérer 175. Ça fait quand même un bonus correct pour le start. 917€, premier bonus, presque x100. On apprécie. Donc les gars, on est sur une montante, comme d'habitude, on va faire 100 ou 50 spins avec un certain montant. Dès qu'on a fini, on augmente le montant jusqu'à jusqu'à qu'on gagne beaucoup d'argent ou qu'on en perde beaucoup. On connaît les montants, c'est souvent le même principe. On va passer les gars en 16 balles, on va se faire des petites salves de 50 spins je pense. Tranquillou pépère. Et on peut se donner les gars, si vous voulez un truc, tant qu'on est sur des bêtes assez moyens, on peut voilà changer un peu le concept de la montante, pimenter un peu le délire. Si pendant les 50 spins on n'a pas de bonus, à la fin on s'achète un petit bonus à la valeur du coup des spins. Donc là ce sera un bonus à 1600€. Si on n'a pas eu de bonus, je pense que ça peut être sympa, histoire qu'on ait quand même des bonus au final. Parce que là du coup, bon alors les montants j'ai l'habitude de les faire sur des pragmatiques, sur des axos pardon. Et là on est sur une pragma. Qui dit pragma les gars dit moins de features, enfin même pas de features du tout, moins de matière, tu vois, moins de content, moins de... Tu vois ce que je veux dire, moins de rembourrage, quoi, il y a moins à faire. Donc on va peut-être se faire ça. Là par exemple, on a eu les 50 spins, pas de bonus, on va s'acheter un petit bonus à 1600€ les gars. Et on va voir ce qu'elle est capable de nous proposer en achat également. Combien? 72, ok, c'est un start qui est pas horrible. x7. Je pense que ce qu'on veut c'est au moins avoir x10, x15 dans le coffre pour que ça commence à être intéressant. Même si on chope un gros multi. Après là même si on prend x50 c'est pas mal. Mais bon le wild x50 je pense qu'il faut aller le chercher. Ok, 32 en plus. 104€. Avec un petit wild x10 ça commence à être intéressant. Même si bon. Pas non plus le setup de l'année. Ok. Et combien le premium? Oh putain, x50 la line de 5. Ok, la full line x50. Très bien. Très bien, 108€, c'est pas fou. La seule question que je me pose, et j'ai pas encore eu la réponse, les gars, sur la machine, on va peut-être la voir ensemble. Et est-ce que les wilds avec les multi multiplient uniquement les pièces ou multiplient aussi la connexion de base? Ça, j'avoue que je n'ai pas encore l'info. C'est-à-dire si on a une full line de premium avec un multi x10,
Est-ce que le multi x 10 compte ou est-ce que c'est uniquement pour les pièces? Ouh, ok, on a bien un petit wild x 25. La première fois qu'on envoie un d'une aussi grosse valeur. Ok, bon, les spins vont vite, hein. On est en turbo. Ok, on va s'en acheter un, les gars. On va s'en acheter un à 2000. On va voir ce que ça donne. Ok, les gars, on va s'acheter un petit bonus à 2000. C'est parti. C'est parti, 80 euros de valeur. Ouais. C'est x4, hein. C'est x4, le bet, c'est pas exceptionnel comme start. 100, ok. x5, c'est pas incroyable, les gars. Parce que x5, ça veut dire que si on a un wild x10, on ne fait qu'un x50. Donc bon, on veut plus. Là, à 20 euros, on voudrait 250, 300 euros dans le coffre. Pour avoir vraiment un setup intéressant. Mais bon. Et il n'y a pas de bounty d'ailleurs sur cette machine. Je n'en ai pas vu en tout cas. x 5000, la max win. Pour ceux qui se posent la question. Et ça va être un très mauvais bonus. Ça va être un x10, hein, qui va nous être proposé. Ok. Ok, bon. Start un peu timide, les gars. Start un peu timide sur cette montante. Tranquillou, on connaît. On connaît, ça peut aller très vite dans les deux sens. En espérant que ça aille très vite vers le haut. Sinon, on n'est pas dans la merde. J'ai décidé de prendre une balance avec d'habitude laquelle je fais des hunts. Pour faire cette montante. Ce serait bien de ne pas finir à zéro. Honnêtement, ce serait plutôt sympathique. On va peut-être se mettre en partie rapide après parce que je trouve que les spins turbo vont hyper vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils vont encore plus vite que sur d'autres machines. C'est une machine qui a l'air d'être très peu connectée en base game. 48, 18, 24, ok, 120. Ok, on est sur un montant un peu plus correct. Ok, on va rajouter 162. Encore des pièces, ce serait cool. 18 de plus, ok. 180 euros, on commence à être sur un truc intéressant. Ah, il faut nous mettre des multis avec les wilds. Encore des pièces, de préférence. Ok, 36 en plus. Là, on commence à arriver sur un montant correct. Ok, plus que correct. Maintenant, il nous faut des wilds. Des wilds avec des bons multis. x5, x10. Allez, des wilds avec des bons multis. Des wilds, s'il te plaît. Allez, sur le dernier spin. Wild. Oh, aïe. 213,60€. Ah, les gars, cette nouvelle machine, les gars, qui pour l'instant est timide. Pour l'instant, elle est un peu timide. Sachant qu'en plus, on n'a même pas les bonus en spinant. Hein. On achète les bonus la plupart du temps. Ce qui est assez dommage. Donc bon. Pour l'instant, c'est pas un start de montante qu'on apprécie, mais on en a vécu des montantes, les gars. C'est pas la première pour ceux qui regardent la chaîne souvent. Vous savez que des fois, ça part mal et ça finit bien. Donc tranquille. Gardons espoir. On est quand même déjà à moins 8000. Assez rapidement, quoi. 9 minutes de vidéo. Ça va vite. Ça va vite, mais bon, c'est aussi le but de la montante, les gars. Ça peut aller vite. Ça peut aussi aller vite vers le haut si on fait un très bon bonus. Petit fois 400 qu'on a fait tout à l'heure. Malheureusement, bon. C'était rec en étant muté, évidemment. Ah, c'est un métier d'être youtubeur, les gars. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Un mec qui a dans les commentaires, c'est pour ça que tu devrais arrêter, connard. Ok. Bon, on va devoir l'acheter encore une fois. On va devoir l'acheter à 3000, j'ai l'impression, vu qu'on n'arrive pas à l'avoir en spin. Hein. Il a l'air dur à avoir quand même. On va s'acheter, les gars. On va se l'acheter à 3000$. Le bonus à 3000. C'est parti. Ah, le montant est pas insane. Le montant est pas insane du tout. Pas fou. Ouais. Après cette vidéo, les gars, je vais sûrement en tourner une autre. Une session un petit peu normale où je vais aller me balader sur des machines, faire un peu ce que je veux. Vous me direz si c'est un
un truc que vous appréciez aussi, ne pas tout le temps essayer de faire un concept en particulier, juste faire une petite session, en profiter pour faire un peu de live casino. Waouh, par contre les bonus c'est compliqué hein. 972 euros les gars, c'est carrément la chevelure qui part en couille. Ça c'est à toutes les vidéos mais... Ok, on va raise le bet à 40. Ça serait bien que ça commence à faire quelque chose, que ça commence à payer. Là j'avoue que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ce start de montant, ça se passe vraiment pas très très bien. C'est un peu frustrant, donc bon. Allez, avoir le bonus pendant les spins, ce serait cool aussi. Franchement. Après, je suis pas un grand fan. Je sais pas si vous, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que les machines, un peu comme ça, dans le délire... Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais... Oh, attends, x15, ça fait combien, ça? Ok. Ok, bon hit base game. Un peu plus de x50. x60, j'aime bien. Ok, donc comme quoi elle est capable de donner. Je disais, moi j'avoue les gars, c'est pas trop mon délire, ce délire un peu Maya. Je crois que c'est Maya, hein, que je dise pas de conneries. Maya, Aztec, etc. J'avoue que je suis pas forcément très sensible à ce délire, on va dire. Même si je sais qu'il y en a, enfin, il y a énormément de slots comme ça, donc c'est que ça doit être très apprécié. Moi j'avoue que c'est pas trop ma cam, quoi. Moi étant un gros Doberman, bon je suis plus Doghouse quoi, tu vois. Je suis plus soif. Tu vois ce que je veux dire, je suis pas trop dans le délire Maya et tout quoi. Mais et d'ailleurs c'est pas du tout, si c'est Aztec c'est pas Maya non. Ah j'ai une culture à ce niveau là qui est assez ridicule, ne m'en voulez pas. Toujours pas réussi à avoir le bonus en spinant. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça les gars, vous connaissez la chanson, on l'achète. Ce serait bien qu'à un moment il nous paye. 280, ok bon on a augmenté le bet mais... 280. Ok, 360. Pratiquement en x10 déjà le coffre. Si on arrive à récupérer un bon wild, un wild x50 là, ça ferait plaisir. Hein. Ça ferait... Oh, Retrigger en plus. Oh, attendez. Attendez les gars, 810 euros dans le coffre, un wild x10, c'est 8000 euros déjà. Oh, c'est encore Retrigger. Elle en faut plus de 5. Oh là là. 980 euros dans le coffre, les gars. Est-ce que c'est peut-être le bonus qu'on attend? Est-ce que ce ne serait pas le bonus qu'on attend, les gars? 1000 euros dans le coffre. On passe les 1000 balles. Rien qu'un wild x5. Rien qu'un wild x5, c'est x100. S'il te plaît, ne me troll pas. S'il te plaît, ne me troll pas. On a un setup incroyable. Par pitié. Par pitié des wilds. Oh là là, il nous remet tellement de pièces, on veut des wilds! Parce qu'on collecte même pas le coffre à la fin, les gars. Des wilds, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu! 1430 balles! X2 déjà on prend. X2 déjà on prend, mais putain, pourquoi pas x5? Allez, encore un spin. Allez, j'ai envie d'y croire. S'il te plaît, oh lolo, le potentiel! Oh, le potentiel du bonus, les gars. Wild x10, c'est 14 000 euros. Et Wild x50, c'est max win. Oh là 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 là. Au final, je suis content, mais c'est même pas un x100 au final. C'est même pas un x100 avec le setup qu'on avait. Je suis presque déçu. Ouais, c'est même pas un x100, putain. Wild x2, quoi. Rien que Wild x5, c'était un très bon bonus, hein. Aïe. Bon, ça va, on va pas s'en plaindre, les gars. Déjà, on a eu un bonus. Qu'est-ce que x100? Mais voilà, regarde. Imaginez ce wild, la x25 qui pop à la fin du bonus. C'était combien? On avait combien à la gauche? 1007, un truc comme ça? 1007, c'était genre, je sais pas, 35 000 euros, quelque chose comme ça? Un peu comme ça, au hasard. Ah. Aïe. Ok, bonus à 50 balles. Enfin un bonus, j'ai envie de te dire. Enfin un bonus, j'ai envie de te dire. Sans qu'on l'achète. Ok, 350. En plus, on a eu deux Retrigger hein, sur le bonus. Il y avait vraiment un potentiel incroyable. Ouais, alors les wilds, je préfère les avoir à la fin qu'au début. Même si bon, dans tous les cas, on collecte, on prend.
Ah, c'est que des wild x 1, malheureusement. C'est un peu dommage. 50 euros de bête, hein, les gars. Hein. C'est un beau. Oh, combien? 3000. Ok. Ok. C'est un petit x 100. Nice. Let's go, ça. Let's go. Oh, la pièce à 200, on l'aurait préféré avant. Avant le x 10. Ok, dommage. Pas de multi, malheureusement. Mais c'est quand même. C'est quand même 1500 balles de prix. C'est quand même 1500 balles de prix, mesdames, messieurs. 350 déjà sur ce bonus, x2, 1500. Oh là là, j'aime bien. Elle commence à se chauffer, les gars. Ça y est, elle commence à se chauffer. Elle nous a. Voilà. Voilà pourquoi je dis que les montants, ça peut aller vite. Elle a très mal start, mais. Ok, 1500 et 750 encore. On va faire un x200 sur ce bonus, les gars. On va faire un x200 sur ce bonus. 11 517 euros déjà. Encore un wild. Oh là là, j'aime beaucoup. Je me suis étouffé carrément, je bois. Wow. Ok, je m'attendais pas au wild x10 à la fin, les gars. x400, pratiquement 19 017 euros et 50 centimes, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour au-dessus du star, 37 600. Oh lolo lolo lolo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, les gars. Oh, je m'y attendais pas. Honnêtement, vous savez, quand on a déjà en x300-400, dernier spin, souvent, tu te dis bon. On a déjà un bon bonus, ça va pas. Putain, le wild x10, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, le bonus était fini. Très apprécié. Très apprécié. Je retire ce que j'ai dit, les gars. J'adore, moi, le délire Aztec, Maya, tout ça. Je sais pas vous, moi, j'adore. Hein. C'est totalement ma cam. Hein. C'est vraiment totalement ma cam. Ok, on va raise encore une fois, les gars. On va passer à 70 de bête, bien évidemment. Le but de la montante, vous connaissez. Et on finira, du coup, après 70, je pense, sur 50 spins à 100 euros. Très sûrement. À moins que ça continue à bien se passer. Peut-être qu'on ira un peu plus haut. Peut-être, on verra. On verra. Les gars, d'ailleurs, j'en profite, j'en vois beaucoup dans les commentaires qui me demandent sur quel casino tu joues, etc. Est-ce que t'as des trucs? Les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le bento dans la description. Vous avez le casino. Moi, je joue sur Nine Casino si ça vous intéresse. Vous allez sur le bento, premier lien. Vous avez tout qui est expliqué, les gars. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, il y a un petit truc exclusif juste pour vous. En passant avec nous, donc voilà. N'hésitez pas à regarder, les gars. Petit instant promo, rapido. Parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent. Donc voilà, j'en profite. Au moins, vous avez l'info. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Sur le Discord, les gars, tous les jours, il y a 50 euros qu'on vous donne. Tout simplement, gratuit. Vous n'avez rien à faire. À part cliquer sur un petit emoji. Je pense que, bon, cliquer sur un emoji pour 50 euros, c'est plutôt rentable. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur Discord, on vous poste aussi plein d'infos. Il y a plein de choses. On discute avec vous de temps en temps. On fait des sessions. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord s'il y en a que ça intéresse. Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas, littéralement. Donc voilà. N'hésitez pas à venir nous voir, les gars. On est bien. Je vais pas acheter, les gars. Combien c'est le max bet? Oula. Ça fait cher quand même. Hein. Ça fait cher. Hein. En fait, j'ai pas envie de l'acheter, les gars. À 70 euros. C'est soit je fais 50 spins à 100 euros ou soit on essaye de faire 50 spins en max bet. 50 spins à 300 balles, les gars, qui nous ferait moins 15 000 euros au maximum. On est à 35 000, ce qui nous ferait au maximum faire 10 000 de pertes. J'ai envie de le tenter, les gars, pour la simple et bonne raison que ça s'est très bien passé. On va le tenter, les gars. C'est le but d'une montante. Bon, là, je suis monté un peu vite. Mais vas-y, on va se le faire, les gars. On va se faire un petit kiff. Si on a un bonus, ça peut être absolument énorme. Faut savoir prendre des risques. C'est parti, les gars. 50 spins à 300. Putain, 300 balles le spin. 300 balles le spin, ouais. On a changé de game. Après, là, le truc, c'est que même en base game, les gars, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite, même en base game. La petite feature avec le wild là qui connecte wild x25 là. Ou alors un bonus. Un bonus à 300 balles. Regardez la valeur des pièces. Regardez la valeur des pièces. Bon, du coup, c'est que x1, mais. Allez, franchement, ce serait cool.
Ce serait cool, ce serait énorme. Ce serait juste énorme d'arriver à avoir un bonus. Franchement, ce serait assez énorme. 22 spins. Oh, s'il te plaît. Attends, il y en a énorme. Mais attends. Mais il y en a beaucoup. Encore des pièces? Les gars, c'est le plus gros bonus qu'on a eu sur la chaîne. Par pitié, paye-nous. Par pitié, le même bonus que tout à l'heure. Par pitié. Là, on veut des pièces. Là, on veut des pièces pour remplir le coffre. 150, on prend. 150, on prend. x2, on prend. 3000 euros. 3000 euros, c'est x10, les gars. C'est ridicule au final, mais on prend. Dans tous les cas, on prend. Allez, s'il te plaît, pas un dead, des pièces. Ok, j'aime bien. Allez, maintenant des wilds. Un bon wild. Un wild x10, c'est 20 000 balles. Un wild x10, c'est 20 000 balles, mesdames, messieurs. Un wild, s'il te plaît, sur le dernier spin. Au moins un wild. Au moins un wild. Ce sera un wild x1. Ce sera un wild x1, mais on le prend. On le prend, on le prend. 7605 euros, les gars. 36K, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Je pense qu'on va laisser les spins. On va laisser les spins, les gars. Et dans tous les cas, on aura fait une vidéo où on n'aura rien perdu. On va laisser les spins parce que j'y crois encore. Ok, les gars. Ok, 32 000 les gars. On a eu notre petit bonus à 300 balles. Pour une fois les gars, je vais être un petit peu terre à terre, allons-nous dire. Je vais m'arrêter là, je vais pas continuer, je vais pas redescendre en dessous des 32 000. On a fait notre petite connerie à 300 balles. Voilà, on a récupéré un peu. On fait au final 2000 euros de bénéf sur cette vidéo. Franchement, on prend, vu comment on a joué agressif. Bon, on aurait pu aller chercher 50 000 ou 100 000 même là avec ce bet. Ça n'avait pas été le cas les gars. Peut-être une autre fois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les gars, autant que j'ai apprécié la faire. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis du coup à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.